d'un mec, j'ai l'impression que je suis un boîte de céréales géante de miel pops. Comme la des miel pops, les trucs. C'est pas fait à partir de maïs, hein, les miel pops? Je sais pas, mais ça ressemble. Je crois que c'est, hein. Ouais, oui, ça se fait à partir de ça. Des trucs de maïs soufflé, hein, c'est une sorte de popcorn. Moi ça me saoule, je ne veux pas faire d'arbres. Mais si, c'est trop bien les arbres. Bon, bah fais le champ. Bah je peux pas encore, pour ça j'attends que les deux soient fusionnés en fait. On peut déjà ensemencer le premier champ, tu vois ce que je veux dire? Bah l'idée c'est qu'il soit fusionné, donc que ce soit qu'un seul champ. Mais c'est pas grave, on fusionne après, ça change rien en fait. Ouais, ok. Moi je suis en train de cutter les branches des arbres et tout, ça c'est sympa ça. Tu sers pas à grand chose, Marco. Bah si, mais si, mais si, mais il faut le faire donc. Et il nous faut un troisième tracteur. Je vous l'avais dit, hein, qu'il nous fallait un troisième tracteur. Pourquoi un troisième tracteur? On en a assez là, ça suffit. Bah non, parce que toi t'as besoin des deux là. Ah non, celui de la remorque, y a pas besoin limite. Je vais prendre celui-là. Bah surtout pourquoi un troisième tracteur? Ah oui, mais tu les suis. Mais en fait, parce que genre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non! Celui qui s'occupe, lui qui a le broyeur, là il est obligé de rester là parce que c'est lui qui alimente. Ouais. Il dit vrai. Ben, je ne fais pas que mentir. Et pourquoi là ça disparaît pas? Coupe-toi, petite Oups. Branche, voilà. On va pas avoir froid cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'on plante, mes amis? Un truc qui vaut cher, la thune, des flouzes, la monnaie. Bah colza, tu m'as dit que ça se vendait bien? Je crois, ouais. Bah check quand même, hein, les prix varient donc. Alors, qu'est-ce qui se vend bien là? Voilà, j'ai plein de ronins, beaucoup de ronins. Mais il y a vraiment pas genre de machine. Ah putain, je sais ce qu'il y a. Ah, le colza c'est pas mal. Ah non, mais je sais ce qu'il y a. Il y a un truc qui transporte les troncs d'arbres avec un tracteur, mec. Putain, c'est ça que je vais m'acheter. Non, loué, tu te calmes. Ça là. Ah non, ça c'est une pince à main de balade. Une fourche à bois. Fourche à bois, ça m'a l'air terrible. Oh là là. 64 les mecs que je consomme. T'imagines comme je paye que dalle. Alors, baisser. Je mets du... comment ça s'appelle? Je mets du soja si ça vous va. Il se vend vachement bien en ce moment. Très bien. Quoi tu veux? Ouais, bah vas-y. Qu'est-ce qui pousse Parce qu'on a déjà partout. Oui, c'est ce qu'on a déjà partout. Là. Dangereux le choix de la... Bah en même temps, ça se vend à 1800. Le truc le plus proche derrière, c'est 1300. Ouais, effectivement. Ah putain, il est trop bien ce véhicule. Oh là là, je peux changer les roues directives, roues avant, roues arrière, comme ça, suivant ce que je fais. Putain, c'est bien ça. Ça y est, t'as un kéké, tu peux faire des roues arrière. Ben, carrément, je fais du wheeling en tracteur, les mecs. Sois pas jaloux. Ah. Ah, on va pouvoir continuer. Je pense que je vais gentiment engager un ouvrier, moi, parce qu'il est vraiment gigantesque, le champ 23, quand même. On n'a pas de thunes. Ouais mais sinon tu vas servir à quoi d'autre en fait? Je sais pas. Ah, tu peux faire les arbres si tu veux. Ok, j'engage pas d'ouvrier. C'est bien là le problème. Tu sais, je peux aussi à la place aller acheter un tracteur à 12 roues. On n'a pas les sous pour. Attends, mais ça a encore diminué les sous. Heureusement que j'ai vendu masse colza. Hein. Ah mais il arrête pas depuis tout à l'heure, il achète plein de trucs. J'ai rien acheté, oh, c'est toi qui allais t'acheter ton truc là dont tu parles. Oh, je peux changer les roues directrices, oh, non. Putain, j'en peux plus. c'est la merde. On dirait deux petits enfants là. Si ça marche. Oh merde, je me suis fait buser là.
Ah là, faut que je repasse en roue directrice, regarde. Roue directrice arrière. Le mec, c'est un transformeur, quoi. Heureusement, il y a un camion de miel pop qui arrive bientôt. Ah. Ça, c'est bon à entendre. Au moins un qui bosse. On va ravir les enfants. Et oui, Marco, ça t'était directement dirigé. Je m'en fous. J'ai presque transporté un gros rondin. J'espère que tu parles pas de ta... Tu te rends compte que ça fait une heure que t'es sur tes arbres. C'est clair, c'est exactement ça. Putain, moi qui me dis bah tiens, je vais record, ça a l'air sympa cette série. Ouais, génial, ouais. Faut que je fasse les arbres après. Ah bah, il a besoin d'aide l'autre. Ah bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça va être obligatoire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire après. Attends. Vas-y, t'as besoin de quoi? Oh là là. T'as alors, besoin de tout... quoi? Non, mais là, c'est moi que tu viens de dire tout. T'as besoin de quoi? Tout. Non, mais mon champ, c'est bon, y'a l'ouvrier qui bosse. Je fais quoi avec ce camion? Oh putain, regarde! Eh! Ok, je vais retourner dans la moissonneuse, je crois. Oh, attends, mec, vas-y, j'ai une idée. Est-ce que je peux grimper dans le tracteur? Vas-y, sors, le tien. Ah non, elle me pète pas tout, hein, je l'ai vraiment bien fait. Hein. T'inquiète, attends. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Ah, attends, comment ça marche? Il y a pas de risque de faire pire de toute façon. Comment ça marche? Gars. Ok. attends, hop. Oh putain, il est trop bien pris en fait. Bah, tu viens de le prendre, tu rigoles ou quoi? Là, il fallait que je recule et que je le mette délicatement dans l'autre tracteur, mais c'est super. Oh non! Je vais y arriver de toute façon. Avec ce tracteur, c'est beaucoup plus facile qu'avec ça. Mais ouais, en gros, il faut aller chercher la dessoucheuse Alex. Aussi. Et puis, il faut broyer le bois, quoi, à mort. Quoi. Et ça, c'est le nouveau tracteur que je viens d'acheter qui permet de récupérer les bouts de bois un peu plus facilement qu'avec le gros truc dégueulasse. Bah, du coup, on revend le truc dégueulasse ou quoi? Bah non, on en a besoin pour le broyer. Oh, attends, qu'est-ce que je dois faire moi? Vas-y, dis-moi. Essaye de manipuler celle-là si t'y arrives là, tu vois celle-là là, pour prendre ouais. Le gros arbre et le broyer si t'y arrives. Moi, je prends les alors. Pêches. Qu'est-ce que je peux faire moi? Attends. T'as mis un ouvrier aussi? Ouais. Beaucoup trop grand ce champ. Mec, pourquoi je vois des trucs qui se passent à la fin du. Ouais, là y'a un truc qui sort. What? Mais pourquoi il y a des trucs qui sortent maintenant? Mais c'est n'importe quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mon truc qui éjacule un petit peu. Ça. Bah ouais. Ah oui, ça sort là. Comment t'as fait? Sauf qu'on a rien dans le truc. Je le bouge en fait. Mais faudrait mettre la truc en dessous. Hein. Ça serait un peu mieux. Mais normalement, il jette super loin. Bon. Alors attends, faut que je change. T'es sérieux? C'est ça le truc dont tu t'extasiais tout à l'heure après? Comment change ouais, d'outil les mecs? Comment change d'outil? Ah, mais regarde, tu vois, regarde, ça va bien là quand même. Regarde. Qu'est-ce et il est beaucoup plus facile à manipuler. Enfin. Ah là, quoi, c'est frappant là, ouais. Ah là, là, tu nous fais ta roue arrière. Regarde. Okay. Bon, comment est-ce qu'on se déconnecte d'ici là? Attention les mecs, attention à votre tête. Ah putain, mais attends, mais pourquoi tu peux pas le prendre? Ah, c'est parce que t'es à fond peut-être. Je fais du deux roues, oh, les mecs. Là. C'est quoi ce attends, gros attends. Ah je l'ai bien là. Ah oh, je l'ai bien chopé là. Mec regarde. C'est montagne russe. Ouais. Oh c'est quoi ce rire? Mais vas-y t'arrives. Ah mon dieu. Oh, ouais. Oh là. Ouais. Je danse avec toi là. C'est bon. Ah voilà. Non mais il m'a pas pour attraper l'autre quoi. Attends comment ça marche ce truc? Elle va la ramener celle-là si tu veux servir à quelque chose, vu qu'elle sert à rien. Mais attends, faut voir, je crois que c'est ça qui va pouvoir enlever les bases. Alors attends, il faut que je prenne. T'es sérieux? Il faut que je prenne le truc en dessous de moi là? Bah ouais, mais en même temps, tu fais le compte depuis tout à l'heure, alors forcément. Le truc, c'est que je sais pas comment on a grandi.
Comment on ouvre la pince en fait? Ouais, mais il y a 17 commandes. Bah, c'est les deux. Oh putain, je crois. Ah, c'est les deux en même temps. Mais t'es. Les deux en même temps, de gauche à droite, c'est super dur à manipuler. Essaye de sortir de tout ce merdier là déjà, tu vois. Regarde. Mais d'où ce type d'arme n'est pas pris en charge? Attends, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, mais attention! Non! Non! Oh putain! Mec, pas de bêtises. J'arrive, je vais te le déposer le moment où on a. Non! Non, je shoot pas mon tronc! Mais non. Je shoot pas là, t'inquiète pas! Mais si, là tu le shoot là. Je suis dessus là ou pas? Ah ouais, vas-y, vas-y, pousse-le un peu plus. Faut le pousser un peu plus vers la gauche. Ah, en même temps, en fait, c'est le tronc d'en dessous qui gêne, faudrait que je le bouge. Ah, c'est ça! Ok, sélectionné. Acheter, oui. Ah ouais, je suis bien dessus là, c'est pas mal ça. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour le coup, maintenant, on a vraiment besoin d'un troisième tracteur. parce que là, il y en a deux qui sont déjà en marche et j'en ai besoin d'un, donc... Bon, et alors puis maintenant... là, qui laisse traîner tous ses outils là. Mais oui, forcément, je suis tout le temps obligé de m'arrêter parce que vous êtes pas prêts. Alors attends, je vais te mettre la remorque juste derrière. Ah bah non, il a piqué le tracteur, forcément. Mais non, j'ai pas piqué le tracteur, je viens juste d'en reprendre un nouveau parce que justement... Mais ah, il est où, le tracteur? Ah ouais, il est en train d'être utilisé pour le champ, mais c'est normal. Et n'empêche, c'est quoi tous ces trucs que t'as acheté et que t'as laissé? Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Parce que je suis au magasin et par exemple, j'ai acheté un truc, tu l'avais déjà acheté, toi. Mais tu t'étais pas dit, oh, je vais aller le chercher, tiens. C'était quoi? Un truc pour enlever les souches. Bah non, c'est moi qui l'ai mis. Bah moi, j'en avais acheté un autre, donc là, il y en a deux. Bravo. Ouais, mais tu l'as acheté après moi. Bah ouais, parce que monsieur ne parle pas. Hein? Pourquoi tu vérifies pas ce qu'il y a au magasin, Bill? Bof. Ah! C'est vrai, ça? Mais comment, mais c'est comment ça marche, ce truc? La manier, ces trucs de merde. Quelqu'un leur dit que... en maniabilité, ils sont zéro, là, chez Farming. Bah quoi, t'aimes pas utiliser ta souris pour... Ah non, mais c'est impossible à manier, mec. C'est un truc de malade, quoi. Allez, les deux boutons à la fois, plus X, V et B... Et tu bouges de gauche à droite. J'arrive pas à prendre mon rodin, ça m'énerve. Même avec ça, j'arrive pas à le prendre, le rodin. Toi, tu veux que je t'essaye? Okay. Oh, bah, c'est pas mal, là. Ouais, mais en gros... Ah, par contre, je sais ce qu'il faut, c'est un peu... Non, mais en fait, ça accroche jamais, mec. C'est impossible. Là, j'étais dessus, ça accroche rien. T'arrives à le porter à la main, tu vois, je t'en découpe des petits alors que tu Putain. Mais putain, on a 4000 de pognon. Mais attends, regarde ce que ça fait, ça. Regarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Baisser. Baisser, ouais, ok. Et activer. Comment ça marche? Ah ouais, cool. Vas-y, plus bas, plus bas. Putain, ça va enlever les souches. Mais bah oui, c'est tout l'intérêt. De long. C'est excellent comme truc, j'avais jamais vu. Et oh, voilà. Trop bien, il y a plus d'arbre. Tu vois, on s'en sort. Tiens, garde, je te coupe des petits rondins là. Ah, vas-y, moi je suis obligé de reprendre l'autre parce qu'on a plus de pognon. Donc en plus, il a lancé à 2 à l'heure. Ouais, il s'en sortait bien. Par contre, celui-là, tu vois, je peux pas, je suis obligé de le porter. Ouais. Mais putain, vous avez mis des arbres sur le champ de maïs, les mecs. Comment je fais pour récupérer? Ah, ça c'est bien. Et bah, si prof était un peu plus rapide, il y aurait plus d'arbres sur le champ de maïs. Et c'est. Par contre, c'est vraiment un enfer à manier, leur truc de bois. Pour de vrai, c'est infernal. Carrément. On peut dire que la sylviculture n'est pas aboutie dans Farming Simulator. Ah, j'allais dire n'est pas notre fort, oui, mais c'est pas abouti non plus, on est d'accord. Ouais, la sylviculture, c'est vraiment un enfer. Oh non, je l'ai fait tomber sur la route. Les mecs, on a un problème d'argent. Il y a un petit signe moins qui s'est invité. Ah merde. Oh là là. Oh putain, on va encore bouffer de la soupe toute la semaine. Mais là, ça va, regardez les mecs, l'argent augmente. Oh non, on vient de gagner de la thune, comment on a fait? Alors, ça s'appelle les prêts bancaires. Je croyais que c'était l'éolienne. Je fais putain, ça marche bien. La banque, elle est sympa. Bah, en fait, faudrait qu'on accélère le temps pour les récolter les autres champs. Mais c'est long à récolter. On a des sur des champs immenses. Donc, après, là, on va avoir du maïs avant. On va se faire de l'argent. Je sais pas si ça vaut cher le maïs.
Alors, est-ce que ça vaut cher le maïs? Il est où? C'est par là, ça on doit l'ouvrir. Cherche les petits épis. Il se vend à 871. C'est pas Ouais, c'est trop pas ouf. mal, mais bon. J'ai vendu du 1500 pour le colza juste avant. Mais je crois que je récolte beaucoup plus de maïs. C'est étonnant, sachant que c'était un champ qui n'avait jamais été. Ah bah le 23 non plus, tu me l'as. Jamais fertilisé. Ah, c'est vrai que c'est pas fertilisé, putain, quand ce sera fertilisé, j'ai chopé 45 000 quand même sur le. Ah, mais attends, pourquoi il va te fouiller? Qu'est-ce que j'ai fait? 45 000, ah oui, ah, je peux marcher en crabe vers la gauche! Trop bien, vas-y. Marcher en crabe vers la droite. Oh! Oh merde. Ok, plus que deux souches et on est bon. Oui, mais attends, il y a les arbres. Ah, bah oui, je sais bien, mais ça. Oh putain, j'ai mis un rondin dedans! Oh mon premier! Oh là là! Donc ça fait une heure et demie. Une heure et demie, je le rappelle. Oh là là, ça, en une heure et demie, j'ai mis un rondin. Putain, je peux m'arrêter les mecs. Bon, allez, ciao! C'était sympa! T'as vu, combien d'arbres il reste? Ah ouais, non, mais attends, moi c'est un petit rondin. J'ai découpé le grand en peut-être 10 parties. C'est un tout petit que j'ai mis, tu vois. C'est bien, tu commences à avoir la ouais. technique maintenant, tu vas pouvoir. Non, je viens de comprendre, ouais. Ah, d'accord, il y a un bout de bois qui bug. C'est juste une toute petite tranche de bois qui reste en l'air. Et qui bloque les tracteurs et tout. Super pratique. Oh non, celle-là elle est trop grosse pour être broyée, on dirait. Allez. Comment ça, ça passe pas? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma broyeuse elle marche pas. J'ai une idée pour les arbres, les mecs. Tu veux les pousser avec la moissonneuse alors? Je vais les récolter avec la moissonneuse. Hein? Bon, je finis le champ. Ok, il y a juste un endroit où c'est buggé et donc il y a un truc qui flotte. Je suis désolé. Je peux ah, en fait, ouais, il faut cliquer sur décharger. J'ai compris pourquoi t'abuses, elle enlevait pas le truc tout à l'heure en fait. Oh merde, j'ai replié la buse alors qu'il y avait le tronc d'arbre dedans. Oups! Matt, ouais. Tu vois ce qui ouais. se passe ou pas? Oh non, merde, ça marchait! Tu ouais, poussais tout? Je transporte des troncs d'arbres, je vais les mettre sur la route. Mais non! Pas sur la bah route, si, regarde, je te les pousse pour toi. Mais non, il fallait pas les pousser, je vais les pousser jusqu'au bout. Hein. Je vais les virer dans le champ du voisin. Comme ça, on n'a pas à les récolter, on peut finir le champ. Bon, là, c'est bon, je les ai tous poussés. Là, faut juste faire parfait, gaffe. Parfait, ouais, non, comme ça, je peux finir le champ là. Ouais, voilà. Fini au moins ça et puis après on va finir de les fusionner. Et après ouais faut finir de les fusionner. Ah oui, tu les as poussés dans l'autre champ toi. Ça c'est pas ouf parce que je peux pas y repasser sans laisser des traces. Hein. Bah c'est pas grave. Il faudra repasser dessus après non? Non parce que justement j'ai pas fait tout l'autre champ justement en me disant qu'on allait dégommer ouais. une partie. Ah merde, je suis à 100%. Tant pis, on roule dans le champ, on s'en bat les couilles. Ah, moins 4000. Retour du négatif. Oh, c'est pas sérieux. Mais ça, c'est prof, hein. Parce que il fait rien avec ses véhicules, mais il reste dedans pendant 20 ans. Et du coup, on a j'ai même pas consommé location. D'essence. Mais c'est pas l'essence le problème. T'es à combien en heure en bas? En heure en bas. La moissonneuse, elle passe bientôt à 3 heures, hein, ça va douiller. Oh. Moi je suis à 2 heures. Bah voilà. C'est confirmé, c'est de ta faute. Qu'est-ce que je fais? Je commence à replanter peut-être sur le 25? Ouais, tu peux, sur l'autre extrémité, tranquillou. Il faut pas. Vous voulez pas qu'on ait fusionné les deux champs et qu'on plante tout en non même mais temps? Mais on s'en fout! Bah, il y a déjà une si. Partie qui est plantée, on gagne du temps comme ça. Ah d'accord. Mais de toute façon, Ouh regarde comment j'ai attelé mon tracteur Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Il a fait encore. Je sais même pas c'est comment une catastrophe. Ça Pourquoi est-ce qu'on joue avec lui? Oh, okay. Ah, c'est moi qui t'ai invité, non mais oh. N'en est pas la question. Eh mais ils sont où tous les bouts de bois là? C'était pas mal, hein. Et je maîtrise beaucoup plus la marche arrière et tout parce que j'ai joué à Euro Truck.
Donc là, maintenant, il n'y a pas de souci. C'est ça qu'il faut qu'on se fasse aussi. Ouais, tu sais, je vous avais parlé du mode multi en plus. Ouais. On fera un convoi de 3 camions sur l'autoroute. Sur Eurotruck. Ouais. Ça a l'air bien ça. Tu as jamais joué? Non. Ah, par contre, j'ai bien rempli la sueur. J'ai 5000 de sueur, mais je sais pas si ça vaut cher. Ok, donc on en est où là? Au même point qu'il y a une heure et demie. Non, tu rigoles, moi j'ai fait plein de trucs. Toi peut-être pas, mais. Bah non, je me tape tout le sale boulot. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je crois que je vais aller me faire de l'herbe. J'ai envie de faire de l'herbe. Je vais. Oh là, ouais, oh là, oh là. Ah putain, tu sais que la marijuana c'est légalisé ici? De quoi au Canada? Bah ouais, je savais pas qu'elle était légalisée, hein. Je pensais que c'était uniquement médicinal, mais non. Comme au State, mais ils sont en avance, je crois. C'est Trudeau qui avait fait passer ça, non? Bah écoute, je suppose, ouais. Bon, mon rondin est trop gros, hein, il rentre pas dans le coin, mais... Tu vas vendre le maïs, tu le vends au bon endroit? Élévateur du village. Ouais. Alors, je vais aller vendre du maïs, je vais me changer un peu les idées. Non, c'est moi, je suis déjà dans le camion, là. Allez, ah reste non, sur ton sale boulot, toi. Non, 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 j'en ai marre, ça fait une heure et demie que je fais ça. Hop. Tu vis bien au bon endroit, Bill, hein. Ouais, l'élévateur du village. Ouais, 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 mais que... Pas à côté. Eh, c'est toi qui... Non, tu rigoles, moi, quand je pensais l'avoir vidé à côté, c'était bon. Attends, Maïs, t'es sûr que c'est... Ouais, c'est l'élévateur du village. Ouais. Eh, peut-être qu'on devrait revendre ta Mustang là, non? Non, mais non! Ah, ouais, tiens, c'est une bonne idée ça! Non! Elle est pas jolie en plus, elle est toute grise, mec! Elle regarde la jeune! Non! Elle est beaucoup plus belle! Eh, vous faites ça, je me rachète non seulement la Mustang, mais en plus mon truc à 12 roues et je m'en fous de ce que j'ai besoin de revendre pour le faire! Attention! Tu vas nous mener à la ruine, Bill! Ah, mais sans hésitation! Hein. J'ai déjà revendu mon tracteur, ça m'a fendu le cœur! Alors, si quelqu'un revend ma Mustang. Il était pas acheté, il était loué, je crois! Là n'est pas la question. Non mais qui a fait les bordures de champ dégueulasses là au coup. Mais pour l'instant, c'est non mais c'est normal, c'est en attendant qu'on finisse le boulot et après on est obligé de repasser dessus en fait. C'est un processus en deux temps. Faudra peut-être réinitialiser le rouleau là, je l'ai peut-être un peu mis dans l'autre sens et on peut plus le remettre. Quel rouleau? Bah le rouleau pour justement faire des bornes nickels. Bah oui mais en même temps ça traîne partout voilà. Attends, ah, il était bien loin du champ, hein, franchement. On a foncé dedans, non? Oui, moi j'ai souvenir d'avoir foncé dedans dans un truc. Il était tellement loin de là où vous bossiez, non mais. Ah bah, ça doit être à Épierre, je crois. Mais non, il était en bordure de champ, si c'est le truc auquel on pense. Il était sur le truc de maïs. C'est là que je t'ai dit qu'il était pas bien rangé, je pense. Non, bah c'est pas ça, alors. C'est... Moi, je te parle du rouleau qui sert à... À faire de nouveaux champs. Ouais, celui qui enlève les nouveaux champs, qui fait le contraire de créer un nouveau champ. Ouais, c'est ça. Bah, je l'avais mis à perpète et t'as réussi à le chercher. Ah non, ça, je sais pas, ça. Ouais, bah si, c'est... Bon, le maïs, ça vaut combien? Vas-y, vends. Oh, oui. Oh, c'est plutôt pas mal, tout ça. Ouh, c'est pas mal, ça. Ah, ça se vend bien, le maïs. 36 000. Moins que le... J'ai fait 45 000 sur le soja. Mais le champ était un peu plus grand. Un champ qu'on avait planté, le soja. Non. Mais je crois que le champ est un peu plus grand, ouais. Donc c'est sans doute kiff-kiff. Je pense que globalement, tout se vaut. J'espère qu'il y a des Pas tout. Je pense que le blé, globalement, tu vois, en ce moment, il se vend vraiment pas pour grand-chose. Oui, en vrai, ça dépend des valeurs. Mais en termes de quantité, je pense que t'obtiens globalement la même quantité pour tous les champs. Enfin, disons pour le même champ, tu auras la même quantité pour tout.